Salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour montrer ma collection de jeux Nintendo. Chez Nintendo j'ai que la Wii et la 3DS, donc j'ai des jeux 3DS et DS et des jeux Wii. J'ai que ça, j'ai pas GameCube, Wii U, tout ça, j'ai pas. Aussi pour vous dire que oui, je l'ai fait un peu avant les 1000 vues. Bon, peut-être quand je la mettrai j'aurai atteint 1000 vues. Mais en ce moment-là, j'ai un peu moins, j'ai 950 comme ça, mais bon. Qu'après, j'avais pas trop de temps à faire des vidéos, donc je la fais tout de suite. Alors, en Wii, alors les jeux 3DS et DS sont tous les miens, mais en Wii, vu que ma Wii, elle n'est pas qu'à moi, elle est aussi à mes frères et soeurs et mes parents, j'habite chez mes parents, ben c'est normal, hein. Donc, il y a des jeux dedans qui ne sont pas à moi. Donc, s'il y a des jeux un peu bébés et tout ça, c'est normal. Alors, on va commencer par le jeu DS. Et oui. Alors, j'ai 4 jeux en DS, j'ai pas beaucoup de jeux. Donc, on va commencer par. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Attendez, je vais pousser ça. Voilà. C'est un peu mieux. Alors, en jeu DS, j'ai Resident Evil Deadly Silence, donc DS. Alors en fait, en gros, c'est le Resident Evil 1 de la PS1, mais remasterisé pour la DS. Et ils ont enlevé les trucs qu'ils ont enlevés, qu'ils ont rajoutés. Genre, ils ont enlevé les temps de chargement, qu'avant, à chaque fois, quand vous entrez par une porte, il y avait un temps de chargement de la porte. Maintenant, si vous appuyez sur A, ça passe le temps de chargement, et c'est vraiment pas mal. Hein. Alors après, c'est pas... Là, c'est Mario et Luigi Adventure in Time. En fait, c'est pas Mario Luigi Party in Time, c'est Mario Party DS. Parce que quand j'ai acheté le jeu, bah, il n'y avait pas Party in Time dedans, mais il y avait Mario Party DS. Bon, par contre, je peux pas vous montrer le jeu parce que tous mes jeux DS et 3DS sont dans ma sacoche. Hein, donc, le DS. Et ma DS est dedans aussi. Donc, c'est pour ça. Donc, Mario Party DS, normalement. Pokémon version blanche. Voilà, un bon jeu Pokémon. Même si les Pokémon, je trouve, viennent de moins en moins intéressants, je trouve, hein, parce que. Avant, les Pokémon, c'était vraiment des Pokémon. Là, c'est. Je sais pas, ils prennent des vrais animaux. Du vrai monde, quoi. Genre des chats, ils appellent ça chat crippant, ok. Les pigeons, ils appellent ça pois chichon. J'en préférais quand même des vrais Pokémon, quoi. Bon, il y en a aussi des vrais, mais bon. Bon, et sinon, il est bien. Et après, mon premier jeu de DS. Dragon Quest, c'est le 9, les sentinelles du firmament. Du firmament. Ouais, firmament. Excellent jeu, hein, bah, c'est Dragon Quest, hein, donc une excellente durée de vie. Les graphismes sont super beaux. Et pour mon premier jeu DS, c'est vraiment un bon jeu. Même si je suis pas fan des RPG. Bon, après, on va faire 3 DS. Donc, vous avez remarqué, hein, la boîte jaune. Donc, le Super Mario Bros. 2. Voilà. Bon jeu, faudra que je fasse un test, mais je trouve bah, trop facile. Trop facile. La boîte elle est vraiment belle, hein. Je sais pas si vous verrez bien, mais. Puis dedans, voilà, c'est vraiment doré, doré. Et quand on change de pochette, ça en fait une nouvelle. Voilà. Bon, je garde celle-là. Bon, par contre, la cartouche n'est pas dorée, non? Pas comme dans les Zelda. Bon, j'aurais pu le faire, je pense, hein, ça n'a pas été. Compliqué. Et comme j'avais dit dans mon test de Mario 3D Land, j'aurais préféré qu'ils mettent le multi dans Mario 3D Land et pas dans le Super Mario Bros. 2. Même si j'ai testé le multi de Super Mario Bros. 2. Bon, il est bien et bon, il y a encore quelques petits problèmes. Bon, après, Dead or Alive Dimensions, jeu de combat bah, de Dead or Alive. Hein. Donc, bah, il est bien. Je peux dire juste ça. Un de mes jeux de combat préférés, et ouais, carrément. Ouais, mais moi j'aime bien la série de Live. Bon, après, Kid Icarus Uprising. Uprising, je sais pas comment on dit. J'ai pas l'accent anglais. Alors, bah, c'est. Je sais pas si vous connaissez le premier jeu Kid Icarus. Bah, moi je le connaissais pas. Bah, en fait, c'était un peu. C'est pas un remake. Parce que le premier, ça c'était pas du tout ça, mais bon, ils ont repris le personnage, quelques ennemis, tout ça, puis. Oh, il est bien. Puis le multi, il est bien aussi, le multi. Hein. Même si je crois que.
Non, c'est pas le multi. C'est parce qu'avant, chaque jour, on recevait une pièce d'arme. Parce que vous n'avez pas fait le jeu, vous n'allez pas comprendre. Mais maintenant, ils ont arrêté ce service-là, donc c'est assez dommage. Bon, après, Resident Evil Mercenaries 3D. Bon jeu aussi, sauf que. Voilà, du recyclé. Comme dans mon test où je l'ai dit. C'est du recyclé. Mais bon, eux qui n'ont pas fait les Resident Evil 5 ou 4, et ben, c'est un bon jeu. Bon, après, Mario Kart 7. Donc lui, c'est fait, c'était. Je l'ai vu pour Noël celui-là. Ouais, il est vraiment, vraiment bien pour un Mario Kart. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Mario Kart 7. Je pense que c'est parce que c'est le septième épisode de Mario Kart. Mais peut-être pu mettre d'autres choses, genre Mario Kart 3DS, truc comme ça, je ne sais pas. Bon, sinon il est bien. Et après, Super Mario 3D Land. Donc, bah, j'avais vu hein, mes vidéos sur Super Mario 3D Land. Votre héros préféré prend du relief. Ouais. Ouais, bah, c'est un bon jeu aussi. Hein, bon jeu. C'est que ça à dire. Bon jeu en 3D. Tout en 3D. Donc, j'ai combien de jeux? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux 3DS. Je crois pas qu'il m'en manque. Ah oui, j'ai pas dit, mais dans Kid Icarus, quand vous achetez le. Voilà, Kid Icarus, quand vous achetez le jeu, bah c'est dans une boîte. Et dans une boîte, il y a le jeu et ça. Voilà, donc en fait, vous mettez la console ici. Bon, voilà. Bon, là, vous verrez pas trop, mais genre là, c'est le. Ma main, c'est le sol, quoi. C'est comme ça. Et là, vous mettez la console et vous pouvez jouer sans tenir la console. La console, elle tient toute seule et vous pouvez jouer. Comme ça quoi. Bon personnellement je vais pas utiliser ce truc hein. Moi j'utilise en fait pour mettre ma boîte de Mario 3D. Et une petite horloge hein, oui. Vu que j'ai changé d'endroit. C'est bon. Donc moi je m'en sers juste pour mettre le Super Mario Bros 2. Bon là je sais que c'est Mario 3D Land. Mais en fait je mets comme ça. Sur mon étagère. Bon après on va passer par le gros truc hein, les jeux Wii. Bon, vous attendez pas à du lourd en jeu Wii, il y a des jeux qui sont pas à moi, je vous le redis. Bon, Star Wars, le pouvoir de la force, j'ai le 2 aussi qui doit être là. Voilà. Bah, des jeux tirés des Star Wars. Bon, je préférais quand même... Je sais pas. J'ai vraiment fini le 1, mais après j'y ai rejoué. J'avais plus joué depuis au moins 2 ans, tout comme ça. J'y ai rejoué sur la Wii, ça vieillit, je pense. Hein. Mais bon, le 2 il est bien, mais le 1. Le 1 il était bien, quoi. Mais maintenant. Maintenant, voilà, je pense qu'il a assez vieilli. Pour moi, hein. Surtout pour la Wii, je pense. Après, Ben 10 Alien Force. Alors, ceci n'est pas à moi, c'est à mon frère. Donc, je peux rien dire. Kokoto Magic Circus. Je ne peux rien dire non plus, j'y ai pas joué. Après, Wii Fit. Et on a aussi. Là, le Wii Fit Plus. Voilà, hein, donc avec la Wii Balance Board, hein, qu'on a aussi, mais je ne vais pas vous la montrer, hein, parce que la grosseur du truc. Et on peut faire maximum 150 kilos. Hein. Qu'est-ce que c'est là-dessus? Bon, bah, c'est des jeux où vous utilisez la Wii Balance Board. Bon, après, attendez, parce que. Tac. Tac, tac. Bon, là, attendez, voix du loup. The lapin crétin chaud. The lapin, la grosse aventure. Ramène contre le lapin encore plus crétin. Et les ramènes contre les. The Lapin Crétin, retour vers le passé, attention. On a tous les jeux, les Lapins Crétins, sur la Wii. Non, il n'en manque un, je crois. Mais je l'ai sur PS2, donc on s'en fout. Moi, personnellement, les Lapins Crétins, j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aime bien les Lapins Crétins, sauf que, bon, j'ai essayé lui, là, le retour vers le passé. J'ai pas trop aimé, hein. Le préféré c'est quand même le lapin crétin chaud et encore plus crétin. Voilà.
J'aime bien les lapins crétins. Faut se demander pourquoi. Bon, après, Wii Party. Donc, c'est des jeux, des mini-jeux, hein, que vous pouvez jouer jusqu'à 4. Bon, c'est intéressant, c'est marrant. Là, à 4, c'est bien. Bon, après, si vous jouez tout seul, si vous jouez Forever Alone, et bah après, bah, c'est un peu moins bien, quoi. Bon, après, Resident Evil The Dark Side Chronicles, avec l'accent. Donc là, soit vous pouvez jouer avec les pistolets que j'ai, j'en ai même deux. Bon, je vais pas vous les montrer, ils sont là-bas loin. Et en fait, c'est un comme un Time Crisis, si vous connaissez. En fait, vous bougez juste le viseur et votre personnage bouge automatiquement quand tous les ennemis crèvent ou quand il veut, quoi. Puis je l'ai bien aimé. Je sais qu'il y en a un autre comme ça sur Wii, mais je crois que c'est Umbrella Chronicles, je crois. Je l'ai pas fait, mais lui, il est bien. Il est bien. L'horreur qu'on vit avec des graphismes saisissants. Ouais, on se dit avec des graphismes. Bon, ça va. Bon, après, le jeu le plus vendu sur la Wii. Attention. Wii Sport Trésor, le jeu le plus mieux du monde. C'est vraiment un bon jeu avec des graphismes incroyables. Regardez-moi ça. Même la Xbox 360 ne peut même pas faire ça. Je sais même pas si la PS4 pourra même pas faire ce truc. Je pense même pas. Parce que c'est tellement, mais tellement aussi beau, c'est tellement incroyable comme jeu. C'est normal que ce soit le jeu le plus vendu de la Wii, hein. C'est vraiment incroyable. Non, sérieusement, c'est le jeu le plus vendu de la Wii, hein, donc c'est un peu bizarre quand même pour ce jeu. Bon, en gros, c'est des épreuves sportives, hein, boxe, vous avez bowling, golf, tennis et baseball. Ouais, bon, si vous êtes à 4, on sait bien. Tout le tennis à 4, hein, c'est vraiment pas mal. Bon, après, le Super Mario Galaxy 2, voilà. Bon, j'ai pas le 1. J'ai pas directement passé au 2. C'est un bon jeu, hein, donc aussi en 3D. Mais en fait, vous êtes en gros dans l'espace. Mais vraiment pas mal, en plus, il est beau et tout. Par contre, jeu en coopération. Alors, j'ai joué avec mon frère. Et en fait, c'est juste que moi je croyais qu'en fait il était un autre personnage, je pouvais jouer avec moi, je trouvais ça énorme, j'aurais trouvé ça énorme. Donc en fait, en gros, il est une étoile, il est juste le pointeur, et puis, bon, je vais vous lire. Jeu en coopération, faites-vous assister par notre joueur, donnez-lui notre télécommande Wii afin qu'il immobilise les ennemis ou qu'ils éliminent. De quoi féliciter la peu la tâche à Mario. Ouais. J'aurais préféré un autre, que ce soit un autre personnage. Bon, après, Wii Sport Resort, donc ça marche avec les petits trucs qui on branche dans le cul de la Wii, quoi, de la télécommande Wii, si je peux dire ça comme ça. Bon, là, ceci, c'est des trucs sportifs, il y a sabre, wakeboard, frisbee, tir à l'arc. Frisbee est une marque décomposée. Tir à l'arc, basket, tennis de table, golf, bowling, moto marine, canoë, kayak, cyclisme, jeu aérien. Par contre, on en a que deux, donc on peut pas jouer jusqu'à 4 en fait. Parce que pour jouer, on est obligé d'avoir le truc pour brancher à la télécommande. Ça, c'est chiant. Et je crois qu'il y en a un qui est sorti, mais on n'était pas obligé d'avoir le truc qu'on branche à la télécommande Wii. Bon, après, Skylanders Spyro's Adventure. Alors, c'est bizarre parce que derrière, je sais pas si vous verrez bien, c'est écrit en anglais. Voilà. Alors, je sais pas si c'est normal. J'en sais rien. Alors, il y a marqué. Fear, ça fait peur. Ouais, j'en ai combien des figurines? Bon, j'en ai. C'est pas à moi. Bon, il y en a quelques-unes, il y en a peut-être 5, un truc comme ça. Bon, ouais, j'ai essayé. Bon, ça peut être bien. Ça va, quoi. Bon, après, c'est sur les figurines, comment elles coûtent cher, une figurine 10€. Avec le Skylanders Giants, après Skylanders Red Force, là. C'est. On peut se foutre de la gueule du monde auprès des figurines. Bon, en gros, c'est les figurines sont un DLC, mais un DLC. Un vrai DLC, quoi. On peut toucher tout ça. Bon, après, Mario Party 8. Alors. C'est le seul Mario Party que j'ai joué, à part celui sur DS. Et. Je préfère lui sur DS, personnellement.
je trouve que, je sais pas, mais je trouve qu'il est assez lent. Je sais pas. Un carnet vomi dans des jeux bonus. Ouais. Ah, je trouve qu'il est super en jeu et je sais pas, non. Même à 4, voilà. Bon, après, attendez-vous à des jeux de danse. Alors, j'ai Just Dance 3, Just Dance 4 et Just Dance 2014. Et maintenant, c'est Let's Dance 8ème Melbay. Et ouais. En fait, c'est un gros, c'est un clone de Just Dance, mais en plus pourri. C'est fait par qui? Fait par Blackfinger Fish et Black Bean. Ok, des studios qu'on ne connaît absolument pas. Puis après, Just Dance, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de danse avec les télécommandes Wii, vous faites les mêmes mouvements que le personnage à l'écran, puis voilà. Après, c'est ce qu'il y a du score et tout ça. Bon, après, un jeu qui est extrêmement beau, Rayman Origin, qu'on va jouer jusqu'à 4. J'ai jamais joué jusqu'à 4, je crois, non, jusqu'à 3, ouais. Bah, c'est un jeu de plateforme. Alors là aussi, il est marqué peur. Attention, ça fait peur. Je cache la boîte. Oui, c'est un jeu bien, vraiment beau et tout ça, qu'on peut jouer jusqu'à 4, comme je l'ai déjà dit depuis tout à l'heure. Ou c'est un jeu de plateforme en 2D, vraiment bien. Bon, après, New Super Mario Bros. Wii avec la boîte toute rouge. Et dedans, c'est tout rouge. Bah ça, un Super Mario Bros. Wii, hein, quoi, c'est du recyclé, hein. Comme fait souvent Nintendo, hein, c'est du recyclé. Mais bon, à 4 ou 6, c'est bien. Après, il reste 3 jeux. Caramel Fête Foraine. En gros, vous êtes dans une fête foraine, vous pouvez jouer jusqu'à 4. En fait, tous les jeux ici jouent jusqu'à 4, je crois, presque. Ouais, c'est jeux de fête foraine, hein. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont à chier, puis voilà. Après, Worms, on peut jouer encore jusqu'à 4. Est-ce que lui, on peut jouer jusqu'à 4? On peut jouer aussi sur lui jusqu'à 4, putain. Bon, tous mes jeux jouent jusqu'à 4, hein, presque. J'avais le jeu avant Worms sur DS que j'ai revendu. Parce que, bah, j'avais joué tellement souvent que. Voilà, je l'ai vendu. Bah, je l'ai pas beaucoup essayé, j'ai essayé vite fait avec mon frère. Je sais pas, je trouve que les graphismes, c'est pas terrible. Bon, après, c'est sur Wii, hein, mais bon. Et après, World of Zoo, que je peux rien dire parce que ce n'est pas à moi, je n'y ai jamais joué. Donc voilà, alors j'espère que cette première partie. Cette partie de mes jeux Nintendo vous aura en plu, hein, donc n'oublie pas de mettre j'aime, de vous abonner, pas mettre de pouce rouge, non. Mais même c'est plus des pouces verts, vous avez remarqué sur Google, sur YouTube, c'est plus des pouces verts, c'est des pouces bleus. Alors what the fuck? D'ailleurs je vois que dans les commentaires, y a des mecs qui font un char pour dire ouais, on va tous qu'on Google Plus, ouais. Bah, c'est vrai que Google Plus c'est chiant, mais enfin bref. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre j'aime. J'espère que ça vous aura plu. Donc quand j'aurai atteint un nombre important d'abonnés ou de vues, j'en ferai ma collection de jeux de je ne sais pas encore, je le verrai. Enfin bref, je vous dis à plus pour d'autres vidéos.